Ensuite, on va regarder la nombre et la couleur des taches d'hydromorphie. Alors ici, on n'en a pas. Je ne sais pas si c'est un endroit où on peut montrer ce que c'est une tache d'hydromorphie. Ça ne va pas être simple. Vous avez deux types de taches d'hydromorphie. Vous avez des taches un peu rouilles. Et vous pouvez avoir des taches carrément vert-bleu. En général, c'est associé avec une odeur putride quand vous faites le test. Donc là, vous avez une hydromorphie de l'eau stagnante qui reste très longtemps dans le sol, plus de 9 mois. Là, c'est pas bon du tout. Hein. Quand vous avez l'hydromorphie, vous n'avez pas d'oxygène. Vous êtes en condition anaérobie. L'eau a gagné complètement le profil. Il n'y a pas de respiration. Vous avez tout qui pourrit dedans. Ensuite, on va regarder si on a des flaques qui restent en surface. Donc ça, on ne pourra pas le savoir aujourd'hui. C'est sur toute l'année, en fait. Est-ce qu'on voit de l'eau qui reste en surface, qui reste à stagner? Vous voyez cette magnifique photo. Est-ce que vous avez ça dans votre champ une semaine, deux semaines Là, vous allez. Pardon? Quelques heures. Ou juste quelques heures après un énorme orage. Bon, là, ça va, quoi. Et ensuite, on va regarder s'il y a des traces d'érosion. Est-ce que vous avez des endroits chez vous où il y a de l'érosion, du sol qui est parti? Il y a des photos assez catastrophiques, des fois. Tout le monde les connaît un peu, je pense, ces photos-là. On les a vues la semaine dernière. Des photos particulièrement gore. Voilà, ici, on est à un endroit où il n'y a pas d'érosion du tout. J'ai sauté une page. Donc, la croûte de Battance. Ah, ça, vous connaissez un peu, quand même. Sur Solanu, pour ceux qui travaillent sur Solanu, on peut avoir des croûtes de Battance. Donc on va regarder l'épaisseur de la croûte. Donc en gros, plus de 5 mm d'épaisseur. Là vous avez une très mauvaise note. Là c'est une sacrée croûte, hein. La carotte elle passe pas, je pense. Hein. Avec une croûte comme ça. Il n'y a rien qui sort. Hein. Et ensuite, entre 2 à 3 mm, vous avez une note de 1. Et bon état, vous avez quasiment pas de croûte de Battance. En fait, dès que vous avez une litière, il n'y a plus de croûte de Battance. C'est assez simple à régler ce problème de Battance. Hein. Voilà, et là on voit aussi l'effet de la texture. Hein. Tout au long du test, on voit suivant les textures qu'on a certains paramètres qui sont plus faciles à gérer en fait.